Madame, messieurs, bonsoir. Que se passera-t-il après le bug de l'an 2000? Une chose est sûre, la société de jeunesse de Prévenlot et environ entrera dans sa quatrième année fédérée et fêtera ses 10 ans. C'est à cette occasion que cette société, forte de 18 membres, a décidé de poser sa candidature pour le Giron 2000 de la Broye. Nous rejoignons sur place notre envoyé spécial Yvan Fassan. Oui, tout à fait, Paul. Je me trouve sur place, mais j'ai perdu mon caméraman. T'es là, toi? Ouais, non, direct. Ah, j'arrive. Ah, mon cher Yvan, je vois que vos problèmes sont résolus. Eh oui, mon cher Paul, je suis bel et bien sur place, et j'ai enfin retrouvé mon caméraman. Je me trouve plus précisément entre Prévenlot, petit village perché sur la rive droite de la Broye. Et donc, Pierre, tous deux situés entre Lucin et Romont. Et c'est sur ce terrain que se déroulera peut-être le premier giron de la Broye du troisième millénaire. Pour faire connaissance avec la jeunesse, je vous propose un volet. Voilà le volet. Mais non, Blot, le tournoi de volet, c'est là-bas. Oh. Alors, je disais donc, je vous propose un volet sur la jeunesse. Voici le président et le vice-président du comité d'organisation. Et voici les membres de la jeunesse. Vous les avez sûrement déjà aperçus dans un tir à la corde, avec leur technique bien particulière. Allons-nous prêts? C'est un monsieur, départ! Allez, allez, allez! On y va, hein? Eh oui, Prévenlot aime aller de l'avant. C'était Yvan sa femme en direct de Prévenlot à Volantaine, et surtout n'oubliez pas, Giron de la Broye 2000, à Prévenlot, osez...